Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Actuellement, tous les Chinois sont branchés, et même d'autres admirateurs d'Eritor. Qu'est-ce qu'Eritor nous dira sur le clip Kong? Mais d'ores et déjà, vous devez comprendre que quand souvent Eritor parle, on dit Eritor parle trop mal, mais souvent certaines réactions sont énervantes. C'est pas par rapport à moi, mais par rapport à Kong même. Voilà. C'est le décryptage de Kong by Eritor. Donc, veuillez vous asseoir. On va commencer tout à l'heure, juste après le générique. N'oubliez pas de liker d'abord avant de regarder la vidéo, de la partager. Et surtout, 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 de donner vos avis en commentaire parce qu'on va échanger en commentaire aujourd'hui. On se prend après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès, à la base. Je procède, à des virements. Voilà, bon retour, les amis. Bon retour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Et j'espère que vous êtes bien installés. Parce qu'on va passer au décryptage du clip Kong. On va dire du dernier clip en date de notre feu réalité DJ Rafat. Mais avant, mais avant, mais avant, mais avant. Chers Chinois, je sais que parmi vous, beaucoup, beaucoup aiment bien la tête d'Eritor, apprécient les réactions d'Eritor et suivent Eritor depuis le début et peuvent témoigner de ce qu'Eritor a pu apporter à la grande carrière de notre héritier DJ Rafat. Je vais vous demander d'aller donner une petite force, je dis bien une petite force à mon artiste First King. Voilà, à mon artiste First King, qui est un gros talent béninois, qui est un talent à l'état pur. En tout cas, l'étoile montante de la musique béninoise, c'est lui, First King, et il est vraiment, vraiment très fort. Allez vous abonner à sa chaîne. Sa chaîne est en description, les amis. Allez vous abonner à sa chaîne. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Moi, il y a peur de ce que je vais dire. Bien avant de passer au décryptage du clip Kong, je vais ouvrir une parenthèse et dire certaines petites vérités à certaines personnes. Vous savez, c'est comme dans la musique. Quand vous souvent. Vous voyez un artiste sortir un son et vous vous permettez de dire que le son vaut rien. Je vous ai déjà dit, c'est insultant, c'est injurieux, c'est déplacé de votre part. Parce que la musique, c'est l'œuvre de l'esprit. Vous comprenez un peu? C'est l'œuvre de l'esprit. C'est quelqu'un qui s'est couché un soir et qui a pensé soit à un concept ou bien soit à un sujet de fait de société et qui a développé quelque chose pour le transcrire sur de la musique, sur des notes musicales. Et le mec, il vient vous exposer ça. Vous vous permettez de dire que le morceau est nul. Je vous dis une vérité aujourd'hui. Aucun morceau d'un artiste est nul. Je m'explique. C'est juste une question de goût et de préférence. Pour mieux vous faire comprendre, quand par exemple Serge Belot fait sortir un morceau, et que par exemple les fans des Débordeaux ou les fans de Safarel disent que non, le morceau il est nul à chier. Dans le même temps, les fans de Serge Belot apprécient le son parce que c'est cette façon de chanter là qui leur a plu chez les artistes. Donc ils vont forcément valider le son. Le son peut être critiqué. Vous comprenez un peu? Le son peut être critiqué. Mais dit que le son est nul, c'est méchant. C'est mal poli de votre part. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que je suis en train de bien installer le tableau pour vous faire comprendre un peu où je veux en venir. Je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit. Disons-nous la vérité parce que je vais vous dire la vérité. Vous savez, dans tout clip, il y a les bons côtés comme les mauvais côtés. Mais se permettre de dire que le clip est nul, ça me fait mal. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très mal. Quand je vois certaines personnes qui ne savent même pas attraper une caméra, qui ne savent même pas comment mettre en marche une caméra, qui ne savent même pas prendre une simple photo avec une caméra, dire que ce clip Kong là, où il y a eu deux gros réalisateurs d'une grosse, grosse maison de production qui est Universal Africa, qui ont travaillé dessus, dire que le clip n'est pas à la hauteur du morceau Kong, je suis désolé. Vous connaissez pas les, c'est-à-dire, vous ne connaissez pas les codes graphiques. Vous ne connaissez pas le génie, comment on va dire ça, du cinéma, mais de l'audiovisuel. Ça, c'est un gros travail. Un très gros travail. Même s'il reste à critiquer, il demeure un gros travail. Et je pense qu'il est plus qu'à la hauteur de ce morceau-là. Parce que ce que vous devez savoir, c'est vrai que Kong est une histoire d'un singe qu'on ne peut pas prendre pour le mettre dans le clip. Mais ça demeure quand même, on va dire, un morceau d'ambiance. Parce que Kong est sorti il y a longtemps. On a dansé Kong sur son instrumental. Belle lurette avant qu'on puisse avoir ce clip-là. Donc d'ores et déjà, j'aimerais que vous écartiez cette histoire de le clip n'est pas à la hauteur de Kong. C'est que vous ne savez pas décrypter. Je suis désolé. On a en face de nous un cas où l'artiste n'est plus. On se comprend, hein? On se comprend.
L'artiste n'est plus, on veut lui rendre hommage avec le dernier son qu'il nous a laissé. C'est vrai qu'il a plus de sons après ça, hein, ça je peux vous le dire. Son ordinateur est bourré. Mais je ne sais pas comment Universal va s'y prendre, mais son ordinateur est bourré. Donc il y a des sons qui vont sortir après. L'artiste n'est plus et il nous sort. Comme quand j'ai dit nous sort, je vais parler de sa structure, Yoro Gang et sa maison de production Universal. Font mains et pieds pour nous produire ce beau clip-là. Mais je me pose la question de savoir sur quoi vous vous basez pour dire que ce clip qu'on a regardé là, ce clip qui tourne sur Trace, ce clip qui a dépassé les 600 000 vues on va dire, sur YouTube, n'est pas à la hauteur. Je ne comprends pas. Je veux que juste vous m'expliquiez un peu. Je veux juste comprendre. Les images sont belles. La chorégraphie est belle. C'est quoi encore le problème en fait? On sait que les sièges sont généralement de couleur noire. Le clip est sombre, mais très très bien structuré. Les effets sont jolis à voir. C'est quoi le souci en fait? Donc si je comprends bien, vous ne savez pas réaliser un clip, vous ne savez pas filmer, vous ne savez même pas comment monter une vidéo. Mais vous pouvez vous asseoir pour dire que ce clip-là, il n'est pas à la hauteur de ce morceau-là. En fait, le morceau, c'est quoi? Ce que vous devez savoir, le morceau, comme n'est pas extraordinaire, c'est celui-là même qui a chanté le morceau qui était extraordinaire, qui était unique. Donc c'est son charisme qui était dans ce morceau-là. Le même morceau qu'on voulait donner à un autre artiste, il passe inaperçu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc avant de dire quelque chose, il faut peser le pour et le contre, bien réfléchir à ce qu'on va dire d'abord. Est-ce que ce qu'on dit a une logique? Est-ce que ce qu'on dit là a un sens? Parce qu'un gros chef-d'œuvre comme ça, vous vous asseyez dans vos salons pour dire soit le clip est nul, le clip n'est pas à la hauteur, le morceau est bon. Aujourd'hui, le morceau quand même est bon, parce que Didier Arafat est décédé. Ne soyons pas hypocrites, les amis. Soyons vrais. Et c'est ce que je vous demande toujours dans mes vidéos. Soyons vrais. Ne soyons pas hypocrites. C'est pas aujourd'hui, parce que Didier Arafat n'est plus de ce monde, que vous allez venir dire que le morceau est bon, mais c'est le clip qui n'est pas bon. Jadis, quand l'artiste vivait, qu'est-ce que vous disiez? Le clip est bon, mais le morceau vaut rien. Ça, c'était le commentaire le plus vu sous les vidéos de trucs de Didier Arafat. Donc, arrêtons d'être hypocrites. Le clip Kong était très très beau clip de dimension internationale. Internationale. Parce que les effets que ces deux réalisateurs ont utilisés dans ce clip-là sont hors normes en fait. Quand vous voyez le début du clip, je crois un des sosies de Didier Arafat, je pense Daesh Junior, gare une moto et va communiquer avec son idole qui est Didier Arafat, qui est dans le ciel. C'est communicatif en fait. Ça veut dire que le mec, il n'est plus avec nous, mais son esprit plane sur nous. Son esprit nous regarde. Son esprit, c'est-à-dire, a les yeux sur ses yeux ici. Je dis, Jean, vous allez faire mon clip, mais je suis là, je vous regarde. Et puis, quand vous regardez bien l'image que Daesh Junior est en train de regarder là, vous savez très bien que ça ressemble très pour très à Didier Arafat. La corpulence, la tête, on n'a pas bien vu le visage, mais je pense bien que c'est Didier Arafat. C'est déjà un travail. Plus loin dans le clip, quand vous voyez par exemple Didier Arafat, bon, on va dire quelqu'un qui ressemble à Didier Arafat, là l'image est loin, mais c'est toujours la même corpulence et je sais que c'est Didier Arafat. Faire ça, c'est un gros boulot en fait. Donc je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire que le clip n'est pas à la hauteur de Kong. Aujourd'hui, Kong est un grand morceau juste quand le clip n'est pas à la hauteur de Kong. Ce clip-là, est-ce que vous avez bien regardé le clip? Est-ce que vous avez bien regardé le clip? Dans les moindres détails, sans fanatisme, sans animosité. Parce que vous, quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous voulez forcément à tout prix critiquer son travail, qu'il soit bon. Vous allez forcément critiquer le travail. Et moi, c'est ce que je n'aime pas, en fait. Parce que moi, je ne suis pas parfait, mais je fais l'effort d'être juste dans mes propos et dans mes actions. Voilà où, moi, je vais dire que le clip a eu des failles. Voilà. Voilà comment on critique quelque chose. Quand c'est bon, dites que c'est bon. Mais comme ce n'est pas de la perfection, vous révélez maintenant les critiques, les imperfections du clip. Moi, je vous ai déjà dit, au niveau des images, de la chorégraphie, des effets spéciaux, il n'y a rien à dire. C'est top. Moi, j'ai aimé le clip. Et puis le clip m'a fait couler des larmes. Voilà. Les petites séquences où on voyait ce gars qui ressemblait à Didier Arafat intervenir dedans, ça me parlait en fait, ça me communiquait, ça me disait quelque chose. J'étais dans le clip. J'ai même laissé un commentaire sous la vidéo. Vous avez bien vu, j'ai dit, je pleure Didier Arafat comme s'il était mon propre frère. Parce que je réalise combien de fois ce mec-là, c'était du génie en fait. C'était plus qu'un artiste, c'était du génie. Écoutez bien le morceau Kong. Écoutez le beat, avec tout ce qu'il a mis dedans. Écoutez bien. Je sais que le morceau va vous parler. Maintenant, passons aux critiques. En fait, à mon niveau, il n'y a pas trop grande critique. Hein. Voilà, il n'y a pas trop grande critique. Pour moi, le clip, rien à dire. La seule erreur vient de Universal et de Yorogan qui ont été très mauvais dans la communication. Si un clip doit être divisé à 22h ou à 21h30, petit communiqué à 17h ou à 16h pour
dit, informer l'audience de Didier Arafat, informer les Chinois et les adversaires de Didier Arafat que le clip sera plus mis en ligne à 18h ou à 19h, mais à 21h ou à 21h30. Ce qui n'a pas été fait. Donc, ça chamboulait un peu le challenge qu'on voulait relever. Mais ce n'est pas bien grave. Mais ma critique, elle se pose sur ça. Didier Arafat a eu à faire quelques scènes avec son morceau Kong. Vous comprenez un peu? Son concert au stade d'Angers. Vous vous rappelez, non? Son concert au stade d'Angers. Il a dansé sur Kong avec La Beauté, ses nouveaux danseurs, Bébé sans os. Oyelams. Oyelams. Il a aussi chanté Kong. C'est la même, il dit, ça vient. Ça vient. Mieux encore, il a fait une émission à Ivoire TV Musique. Moi, j'aurais aimé que par moment dans le clip, on découpe un petit bout de ces différentes prestations-là, de ces différentes interventions-là, de Kong avec Didier Arafat, je veux dire, quand Didier Arafat prestait sur Kong, pour la mettre un peu dans le clip. Voilà tout ce qui manquait au clip. Voilà tout ce qui manquait au clip. Et puis, quand vous regardez les commentaires de Didier Arafat sous le clip de Kong, c'est ce qui revient. Voilà ce qui manquait au clip. Sinon, le clip n'a aucun problème. Voici la seule critique que je peux me permettre de dire aux réalisateurs d'Universal, aux deux réalisateurs d'Universal qui ont fait un très beau boulot, un très très grand boulot. Voilà. Moi, j'aurais aimé que, où on dit ça vient, hein, on met la partie où Didier Arafat disait ça vient à Oyelams. Et Rebede pour Zaboulé. Hey. Où il a dansé avec Anou Jaguar, ses danseurs, à Ivoire TV Musique, on mettait un peu. Pénin, oui, Kongé, Kongé, sa danse, où il a fait, ainsi Crazy de la Guinée a voulu le clasher, où il faisait comme ça, on mettait un peu. Ça allait rendre encore les clips plus attrayants parce qu'on voyait l'élément même en question, on voyait même le sujet principal. Mais c'est vrai que par moment, vous essayez, à travers des effets spéciaux, à mettre une image de l'artiste. C'était pas mal, mais voilà ce qui manquait au clip, à mon humble avis. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, je pense que le clip est top, il n'y a rien à dire. Voilà, moi je ne sais pas ce qu'il faut dire encore sur Kong. Le clip est beau, il est super beau. Il remplit tous les critères d'un clip international. Faut pas, on va se mentir. Voilà, les gars, ils ont vraiment réfléchi, c'était du génie. Bravo aux deux réalisateurs d'Universal. C'était la part d'Héritor, décryptage du Kong, j'en ai fini.